Allora, la prova che stava. Vai. Mi devo andare a scrivere. Mi devo andare a scrivere se c'è un po'. Bon, gardez votre arme dans son étui, vos mains dans les poches et votre clapet fermé. Suivez-moi. Thank you. Bonjour. Bon, qu'est-ce que tu veux, mon pote? Alors c'est vous que Morrill nous envoie. Pour être tout à fait franc, tout ce que je suis prêt à confier au Pecno du coin, c'est de faire briller mon armure. Et encore. Mais vous avez cet ordinateur au poignet. Je crois que Morrill a pris la bonne décision. Vous pourrez peut-être nous être utile. Ah, deux secondes, juste un détail. Voilà, c'est bon. Alors, intelligence. Alors, mon petit boy m'aura unique. Et vous avez besoin de moi. C'est sûrement un truc que vous voulez, alors venez-en au fait. J'espère que les questions d'utilité pratique et pas alimentaire, blablabla. Bon, soyons intelligents. Alors vous avez une moitié de cerveau. C'est bien. Ouais. Je vais faire simple. J'ai besoin de vous et de votre ordinateur. Si vous m'aidez, je verrai ce que je peux faire pour vous aider. Ce n'est pas le genre d'offre que les dissidents font à n'importe qui. Alors vous feriez bien d'y réfléchir. Si ça peut m'apporter, je marche. Quelle est la situation? On va pas faire un trop accro. On va faire gentil. Selon nos infos, cette base abrite des technologies importantes, mais impossible d'y accéder. L'arsenal a une porte anti-souffle impossible à ouvrir. Nous sommes à peu près sûrs que la personne qui arrivera au bout du programme de simulation pourra y accéder. Mais ça réclame une interface spéciale. Hélas pour nous, nous n'en avons pas. Mais vous, vous en avez une au poignet. J'aimerais que vous entriez dans le simulateur et terminiez le programme. Ça déverrouillera l'arsenal. Vous aurez une part du matériel, bien sûr. Ouais, c'est comme un jeu vidéo, ça a l'air marrant. Eh bien non. C'est une simulation d'instruction hyper réaliste de la libération d'Anchorage en Alaska, tenue par les communistes chinois. C'est de la haute intensité, sans protocole de sûreté. Si vous crevez dans la sim, c'est l'infarctus mortel. Vous mourrez dedans, vous mourrez en vrai. Vous m'écoutez toujours, alors je suppose que ça vous intéresse. Mais le temps presse. Si Blake peut vous conduire à la nacelle, Olin va vous briefer. Si vous voulez partir, allez-y. Mes hommes ne vous retiendront pas. Bon. Mais je me cache alors. Non, je rigole. Alors, on va le faire. Donc, je dois parler. Ce truc est une sorte de simulation d'entraînement, pour autant qu'on puisse le dire. Je suppose que vous nous en apprendrez plus à votre sortie. Toc toc, Olin. Je vous amène du monde. Quoi ? Ouais. Espérons que vous traiterez mieux celui-là que le précédent, hein. Ça va bien, Sibley. Vous savez que ce n'était pas ma faute. Bien sûr, pourquoi pas. Mais faut faire des progrès, d'accord? On a tous envie de se tirer d'ici. Très bien. Alors tirez-vous et laissez-moi travailler. Attention, Pezzoi. Oh, tu parles meilleur à moi, s'il te plaît, hein. Moi, je viens d'un abri super civilisé à l'origine, alors rien. Tu peux me Pezzoi. Vous êtes là pour nous aider? Très bien. Alors mettez ça, installez-vous et on lancera la simulation. Pardon, vous voulez pas m'imposer ? Écoutez, si vous voulez nous aider, c'est génial. Mais ne traînez pas dans mes pattes. Bon. Quoi, vous avez besoin de moi ? Eh bien, en fait, nous n'avons vraiment besoin que de votre avant-bras. Mais bon. La simulation cherche une interface extérieure. Je ne sais pas bien pourquoi, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Votre Pip-Boy peut faire l'affaire. Et puisque c'est vous qui le portez, c'est vous qui entrerez dans la simulation. Pigé ? Sinon, je peux le prêter à un nouveau soldat, il rentre là-dedans, il ressort, et après il me le rend. Bon.
Allons-y. Ah voilà, quand vous reverrez plus. Deux secondes. J'espère que les autres s'en sont sortis. Ça m'étonnerait que leur patrouille nous ait fait arriver. Alors on tient toujours les fêtes surprises. Vous avez toujours votre matos, alors je vous laisse choisir. De la jouer discrète ou tirer dans tous les sens. On se retrouve toujours au point de jonction à l'intérieur. Ensuite, on ira faire sauter ces pièces d'artillerie. Faites attention à vous. Les rouges ne font pas de désordre. Bonne chance. Ok, parti. Nous voilà dans une simulation d'entraînement. Pour... Sauf que si on meurt dans la simulation, on meurt pour doré. Ça, c'est l'entraînement intensif. Hein. C'est-à-dire... Ils sacrifient ces soldats au terrain, on les sacrifie dans une simulation... Bon, bref. Allez, c'est parti. On va tuer du communiste. Putain, il tire bien, hein. Je suis invisible, mais il tire pas bien quand même. Voilà. Il y a deux, je coupe. Ah, il casse sur toi. Ah, pas mal. Je sais qu'il y a une arme, voilà. 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 DLC n'est pas très aimé par les gens, mais bon. Ils ont quand même imaginé que c'est comme quand je fais mes HS, ça tire dans tous les sens. Juste comme ça pour tirer quoi. Bon, toi tu vas mourir, ça le fait chinois. J'ai rien contre les chinois. Hein. C'est eux contre tout le monde. Dans le jeu. Moi je mange du chien au petit déjeuner. Oh, je tire. L'année joyeuse.
Sans quoi discuter ? Normal. Silence. Ce que j'aime bien par contre dans ce DLC, c'est que les armes ne s'arrêtent jamais. Alors ça c'est un plaisir, pas avoir à réparer les armes. Parce que réparer les armes c'est sûr. Oh c'est dur, mais c'est sûr. On va te faire mourir. Oh, in your face. Tiens, je prends ça. Ah, ce fusil, c'est un plaisir. On va tuer les communistes. Oh. Alors. Bon, ça prend un numéro de ça. Énergie. Explosif. Bon. Discrétion, tiens, c'est pas mal ça. Sanguinaire, non c'est dégueulasse. Un truc utile. Discours, troc. Ouais, c'est pas mal ça. On a quoi d'autre? Sur de femmes, non? Dito Junior. Personne à pas pour. Pas de même, explosif. Ouais, c'est bon. La prochaine fois on fera un traitement interne sur soft. Y'a quoi après? Niveau 8. Non, on fera l'entraînement de temps. Ok, on avance. Bon, j'ai coupé un petit passage parce qu'il y avait un intéressant. T'as vu un peu ça? Putain, cet endroit est un vrai nid de rouge. J'ai bien failli y rester. Le plaisir de vous voir dans ce morceau. Ouais, j'ai failli y rester là-haut. Je ne savais pas que les rouges étaient aussi bons aux fusils de sniper. Alors, quelle est la situation? On peut faire sauter cet endroit? Monsieur Bob, t'as des balles? Ouais, je peux me... J'ai pas cette mission, donc je reste. Et avec quoi je vais buter les Chinois? Des boules de neige? Désolé, c'est tout ce que je peux vous donner. J'aurais essayé. Allez, on y va. Je vous couvre. Attention près de ces corniches. La chute est vraiment... Réveille. Il y a du monde devant. Ah ah. Ah c'est la couche. Oh. Je sais pas si c'est mon PU, si c'est moi je suis venu. Vas-y, voir si c'est mon PU, c'est pas mon PU. Ah si c'est mon PU, la XP, c'est mon PU. Je suis un sniper. Putain, y'en a un là-bas. Allez, tiens, un vu chinois en vrai. Oh. Et hop là, deux chinois en moins. J'aime bien faire ce que j'ai fait. Ouais, c'est bon, il faut que ça faire. C'est des bonus là-bas, mais bon, voilà, hein. Bon, on va finir vite fait avec ce DLC. Si je peux passer une journée sans voir une passerelle, je mourrai heureux. Ah. Oh. Ok. Ah.
Ça me fait penser. Il y a déjà une personne qui a fait des vidéos sur l'aventure en solo d'un Call of Duty. Je parle de l'aventure en solo, hein. C'est pas un jeu. J'ai fait plein de vidéos sur les multi, mais jamais sur l'aventure en solo. Pourquoi? C'est vrai ça. La structure qui est là donne accès à la... Je sais pas. Bon, moi je ne sais pas pourquoi c'est que j'ai pas sur l'ordi, Call of Duty. Et plus que j'ai pas de quoi filmer sur la play, et bien quand on fera des jeux que j'ai sur l'ordi pour les vidéos. On fait quoi? On contourne ou on s'enta? Ouais, j'ai plus 3 points de vie. Oh, ouais. Oula, oula, toi, t'es foutu, mec. D'accord, je suis mauvais. Je m'occupe de ça. Oula. Bon, là, je monte les escaliers. Et là, je sors sur le bâtiment. Ouf. Ah putain, j'ai plus besoin visuel. Engagement. Je m'occupe de ça. Ouais, tu fais confiance. Et puis, vas-y. Moi, j'y regarde. Bon, allez, on fonce dans le tas. Je sais qu'il y a un truc de fou là-haut. Je me prends une balle là. J'ai eu chaud. Ah, c'est juste ça. Ah, mais je peux. Tant pis. Il est pas mort, celui-là, Charmou, fais chier. Ah, c'est une forêt. Et on rentre. Et on se retrouve avec notre aventurier pour un épisode spécial. Oui, car cet épisode sera entièrement en qualité de texture grande, et oui. Vu qu'on va à un endroit DLC que j'ai pas modé, je risque pas d'avoir des crashs, enfin j'espère. Donc du coup, on se fait plaisir, on envoie les textures grandes. Alors où j'en étais? Ah oui, encore, c'est vrai. Alors, on va par là. Je me suis dit, je suis pas assez roleplay dans les vidéos. Alors, j'essaie de l'être encore plus qu'avant, même parce que je n'étais pas beaucoup avant. Alors, cette fois, je me mets dans le rôle, attention, dans le rôle. Bon. D'accord. Ah ouais, c'est trop dur quand même de me mettre à 100%. Mais j'essaie de faire le plus possible.